جیسے کل میں نے بتایا تھا اس سال کل بیتوں کی تعداد 609,556 ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 124 ممالک سے 257 قوموں کے لوگ ان کے داخل ہوئے الحمدللہ. اب ہم بیت شروع کرتے ہیں. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. آئی بیئر وٹنس that there is none worthy of worship except Allah. Je témoigne qu'il n'y a personne digne d'adoration except Allah. He is one and has no partner. Il n'a pas de partenaire. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and messenger. I enter this day, the Ahmadiyya Jamaat in Islam, at the hand of Masroor. I have firm faith that Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Khatam al-Nabiyyin, the seal of all the prophets. I also believe that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad al-Islam was the same Imam Mahdi and promised Messiah whose advent was prophesied by Hazrat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. I promise that I will always try my best to abide by the 10 conditions of bath as prescribed by Promised Messiah al-Islam. I will give the precedence to my faith over all worldly objects. I will always remain loyal to the institution of Khilafat in Ahmadiyyat and will obey you as Khalifatul Masih in every good that you may require of me, inshallah. Inshallah.
vous me demanderez, Inch'Allah. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilayh. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin. Wa atubu ilayh. I beg pardon from Allah, my Lord, for all my sins, and turn to Him. Rabbi inni dhalamtu nafsi, wa atraftu bi dhanbi, faghfir li dhunubi. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Oh my Lord, my Allah, I wrong my soul and confess all my sins. Pray forgive me my sins, for there is none else except Thee to forgive. Amen. Ô mon Seigneur, j'ai à mon âme et je confesse tous mes péchés. Je te prie de me pardonner mes péchés, car nul autre que toi ne peut pardonner. Amen. Amen. Nous allons en urdu aussi répéter. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج میں مسرور کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت احمدیہ مسلمہ میں داخل ہوتا ہوں. میرا پختہ اور کامل ایمان ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں. میں حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی امام مہدی اور مسیح موعود تسلیم کرتا ہوں, جس کی خوشخبری حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی تھی. میں وعدہ کرتا ہوں کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی مقرر فرمودہ 10 شرائط بیعت کا پابند رہنے کی کوشش کروں گا, دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا, خلافت احمدیہ کے ساتھ ہمیشہ وفا کا تعلق رکھوں گا, اور بحیثیت خلیفۃ المسیح آپ کی تمام معروف ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. رب انی ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی فإنه لا یغفر الذنوب الا انت. اے میرے رب, میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں.
تو میرے گناہ بخش تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں آمین سجدہ شکر اللہ اکبر Been through smoothly, and all the people, over 35,000 people from over 210 different countries who have assembled here are patiently waiting to hear from their supreme leader, Hazrat Mirza Masroor Ahmed. It is such a tense moment, it is such a moment of tranquility and a moment of excitement. And everyone is eagerly waiting to hear the very final address of the Supreme Head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community in Islam. The cars are driving through smoothly. We have one of the cars in. I'm sure Huzoor is in, definitely one of those going in there. And we do have the President of Ahmadiyya Muslim community in the UK, Mr. Rafiq Hayat, also waiting. We have the Imam also waiting. But for now, we'll take you back to the session. Please stay tuned. Don't change the dial. Nara! Hazour, notre prochain invité
est le président du comité scientifique à Turin. Il est celui for the Shroud since its foundation in 2002, which works together with the Archbishop of Turin to, in order to realize the activity concerning the Shroud. It gives me great pleasure to welcome Bruno to this Jalsa Salana and invite him to come and say a few words. His Holiness, Votre Sainteté, premièrement, je voudrais vous remercier beaucoup pour m'avoir invité à ce Jalsa Salana. En particulier, Monsieur Dr. Fatou Malik, je suis très honoré d'avoir dépensé tous ces jours avec vous. J'ai eu l'opportunité de connaître votre communauté et créer des liens d'amitié . J'ai eu l'impression d'être entouré d'amis . Je partage complètement votre adage. L'amour pour tous et la haine pour personne est indispensable, je dirais même plus essentiel pour la promotion et combien elle est importante pour le monde entier. Of Jesus left by his body on the sheet is not only the supreme symbol of the suffering of the just and of the innocent, but it is also a great sign of hope for all of us and for. Alors, l'empreinte que Jésus a laissée sur le sanctuaire est un symbole de d'espoir et d'espérance pour nous tous, qui est très important pour nous tous. Et merci encore une fois et à l'année prochaine. Donc, c'était un spécialiste du Saint-Suaire qui est venu d'Italie. Notre dernier discours des invités viendra de la part d'un représentant du gouvernement du Libéria. Monsieur Jonathan L. Capay, sénateur de son État, qui vient présenter un cadeau à sa sainteté le calife de la part du gouvernement libérien. Au nom de la République, du président de la République du Libéria, je vous. Avec beaucoup de fierté, je vous félicite à l'occasion de cette Jalsa. Nous sommes fiers de votre soutien, notamment dans la lutte contre l'Ebola. Et je suis très très heureux de vous présenter cet insigne cadeau du gouvernement du Libéria pour toutes vos contributions. Priez pour nous pour les prochaines élections aussi. Merci.
Sa Sainteté le calife l'a remercié donc pour son cadeau. Monsieur l'Amir de la Grande-Bretagne dit que c'était le dernier discours donc aux autres. Sa Sainteté demande ce qu'il y a au programme à présent. Il y aura à présent la récitation du Saint-Coran par Abdelmoumen Tahel. عند الله أتقاكم إن
سورہ حجرات کی آیات 11-14 آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں. Les versets 11 à 14 de la sourate Al-Hujurat vous ont été présentés. اور اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو Au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Et si deux groupes de croyants se font la guerre, faites la paix entre eux. Puis, si par la suite l'un des deux transgresse contre l'autre, combattez le groupe transgresseur jusqu'à ce qu'il retourne au commandement d'Allah. S'il y retourne, alors faites la paix entre eux avec équité et agissez avec justice. En vérité, Allah aime les hommes équitables. Assurément, tous les croyants sont frères. Faites donc la paix entre vos frères et craignez Allah pour que la miséricorde vous soit accordée. Ô vous qui croyez, qu'un peuple ne raille pas un autre peuple qui pourrait bien valoir mieux que lui, et que les femmes ne se moquent pas d'autres femmes qui pourraient bien être meilleures qu'elles, et ne vous diffamez pas les uns les autres. Et ne vous diffamez pas les uns les autres et ne vous donnez pas entre vous des sobriquets par sarcasme. C'est en effet très vilain de se faire une mauvaise réputation après avoir professé la croyance, et ceux qui ne se repentent pas sont du nombre des injustes. Ô vous qui croyez, évitez de vous adonner à trop de soupçons, car dans certains cas, le soupçon est réellement un péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas non plus les uns les autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Certainement, vous en auriez horreur. Et craignez Allah. Assurément, Allah revient sans cesse avec compassion et est miséricordieux. Ô âme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des clans et des tribus, afin que vous puissiez vous reconnaître. En vérité, le plus honorable d'entre vous aux yeux d'Allah est le plus pieux parmi vous. Assurément, Allah est omniscient, très conscient. On va maintenant écouter une kasida qui sera présentée par Sharif Odeh Sahib. من
ثم انظروا إكرام من صافاني قوموا لتحقيري بعزم واحد ثم انظروا إعظام من faisant la baya alors la traduction de cette qasida est aujourd'hui chacun faisant la baya a tant augmenté sa foi qu'on pourrait dire qu'il a reçu une nouvelle foi. Aujourd'hui tout ennemi a vu sa propre défaite et a vu qu'il vit dans le feu. La preuve de notre véracité s'est manifestée telle le soleil ou comme des chevaux à l'encontre de troupes. قرآني يا مكفري أهل donc ou comme des chevaux à l'encontre de l'infanterie. Est-ce là la grâce d'Allah ou pensez-vous que c'est une supercherie humaine? Regroupez-vous pour m'humilier et puis voyez comment celui qui m'a choisi comme ami me donne la grandeur. Vous vous êtes levé pour vous moquer de moi. C'est le Messie promis, alayhi salam, qui le dit, je vous le rappelle. Vous vous êtes levé pour vous moquer de moi. Or, voyez comment celui qui m'a pris comme ami m'honore. Le fortuné et le maudit peuvent-ils être égaux? Es-tu aveugle ou frère de Satan? L'époque crie aux réformateurs ou aux renouveleurs. Regarde donc avec un cœur pur. Voici l'époque dont vous aviez entendu parler, et de qui d'ailleurs? Du Coran et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui prononcez mécréants, les gens de la bonne fortune, aujourd'hui vous avez été humiliés. Les témoignages ont été présentés, quel prétexte donnerez-vous à Dieu? Quiconque est mon ennemi, Dieu est son ennemi. Quiconque s'oppose à moi, Dieu sort pour l'opposer. J'ai vu la main de Dieu me protéger et me soutenir à tout moment. Un homme libre et guidé par une preuve solide, il ne prête pas l'oreille aux calomnies. Dans l'éventualité où la traduction ourdou sera présentée après cette qasida, nous allons relire la traduction pour vous. Et maintenant, on vous laisse écouter la qasida. ثبوت أمر قاطع يهدى ولا يصغى إلى بهتان.
والتاح مقعده من النيران. السلام عليكم. Donc maintenant, on va vous présenter la traduction en ourd de haut et nous allons la suivre pour vous en français. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Le Messie premier à l'Islam a composé un poème en arabe dont quelques vers ont été récités devant vous tout à l'heure, ou plutôt à l'instant. Et ces vers sont tirés de son livre Nour al-Haq, la lumière de vérité. Aujourd'hui, chacun faisant la bay'a a tant augmenté sa foi qu'on pourrait dire qu'il a reçu une nouvelle foi. Aujourd'hui, tout ennemi a vu sa propre défaite et a vu qu'il vit dans le feu. La preuve de notre véracité s'est manifesté tel le soleil ou comme des chevaux à l'encontre de l'infanterie. Est-ce là la grâce d'Allah ou pensez-vous que c'est une supercherie humaine? Regroupez-vous pour m'humilier, puis voyez comment celui qui m'a choisi comme ami me donne la grandeur. Vous vous êtes levé pour vous moquer de moi. Or, voyez comment celui qui m'a pris comme ami m'honore. Le fortuné et le maudit peuvent-ils être égaux? Ou bien est-ce que tu es aveugle ou frère de Satan? L'époque crie aux réformateurs ou aux renouveleurs. Regardez donc avec un cœur pur. Voici l'époque dont vous aviez entendu parler, et de qui? Du Coran et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui prononcez mécréants les gens de la bonne fortune, aujourd'hui vous avez été humiliés. Les témoignages ont été présentés. Quel prétexte donnerez-vous à Dieu? Quiconque est mon ennemi, Dieu est son ennemi. Quiconque s'oppose à moi, Dieu sort pour l'opposer. J'ai vu la main de Dieu me protéger et me soutenir à tout moment. Un homme libre est guidé par une preuve solide. Il ne prête pas l'oreille aux calomnies. Le calife dit qu'Allah vous récompense. Murtaza Mannan va à présent présenter un poème en langue ourdou. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Manzoom Pakiza Kalam, Hadrat Akdas Masihe Ma'ud alayhi salatu wa salam. Islam se na bhago rahe huda yahi. Ne fuyez pas l'islam, car c'est le chemin de la direction. Go.
fuyez pas l'islam, car c'est le chemin de la direction divine. Mujhko qasam khuda ki jisne hame banaya ab aasma ke niche. Réveillez-vous, ô vous qui dormez, devant ce soleil au zénith. Je vous jure, au nom du Dieu qui nous a créés, que désormais, sous la voûte céleste, l'islam est la seule religion divine. Que désormais, sous la voûte céleste, l'islam est la seule religion divine. Ce refuge du cœur reste secret. Quel chemin doit-on emprunter pour le discerner ? Prenez le bénéfique et délaissez le nocif. C'est en cela que réside sagesse et perspicacité, gnose et intelligence. For the advancement of peace is presented by the community to an individual or an organization for their services to peace. This will be our 10th award for deserving candidates. And this year we are honored to award the work of Dr. Leonard Rochelle, who is a distinguished pediatrician from Moscow. Expert for the World Health Organization and chairman of International Charity Fund to help children in disaster and wars, Dr. Rochelle has been leading the Emergency Surgery and Children's Trauma Department of Moscow's Pediatric Scientific Research Institute since 1981. In 2003, he took over Moscow's Institute of... En 2003, la personne qui va donc nous adresser à l'instant, dans quelques instants, cette personne a pris la charge d'un institut médical en Russie. C'est une personne qui a lancé un organisme charitable qui aide des enfants à avoir des soins médicaux dans beaucoup de pays du monde, aussi en Roumanie, en Yougoslavie, en Géorgie, en Azerbaïdjan, en Israël et en Tchétchénie. Et il a aussi offert des soins médicaux aux enfants blessés en Palestine lors de conflits avec Israël. Il est professeur diplômé et il est aussi une personne qui est membre de la Commission des droits de l'homme en Russie. Il a reçu il a été décoré du prix je n'ai pas saisi, mais c'est un prix par le gouvernement russe. Et donc cette personne, on va l'appeler pour... C'était juste pour dire que cette personne-là a été choisie pour recevoir le prix de la paix Ahmadiyya. À présent, nous allons voir la remise des prix. Nous allons commencer par le brevet, le niveau brevet.
Mohammad Ahmed, 9 mentions très bien. Rahim Mirza, 8 mentions très bien et 8 mentions bien. Farah Samatin, 5 mentions très bien et 5 mentions bien. Safraz Ahmad, 10 mentions très bien et 4 mentions bien. Houda Aman Amar, 10 mentions très bien et 1 mention bien. Atal Hayrama, 9 mentions très bien et 4 mentions bien. Atal Mounim, 11 mentions très bien et 1 mention bien. Mirza Farhan Ahmad, 6 mentions très bien et 4 mentions bien. Adil Vakas, 8 mentions très bien et 2 mentions bien. Afan Rashid, 7 mentions très bien et 6 mentions bien. Alim Zéa, 6 mentions très bien et 4 mentions bien. Fawaz Ahmed, 9 mentions très bien et 3 mentions bien. Rezaan Ahmed Qureshi, 10 mentions très bien et 1 mention bien. Farhan Chima, 10 mentions très bien. Zaki Ahmed Chultali, 11 mentions très bien. Shazid Ahmed,
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Lorsque je participe dans un événement où il y a des invités non musulmans et que lorsque j'évoque les enseignements de l'islam qui prônent la paix, eh bien la majorité des gens s'étonnent et demandent: est-ce cela les enseignements de l'islam? Cette réaction, cette expression de surprise, eh bien, on ne le voit pas uniquement dans un seul pays. C'est ce qu'on voit sans distinction dans chaque pays. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en train d'organiser ou la Jamaat organise dans différents pays des dépliants pour faire connaître les enseignements de paix de l'islam, eh bien, dans chaque pays, tout comme je l'ai dit hier dans mon rapport, que on a distribué des centaines de milliers de ces dépliants, eh bien, les gens disent la même chose là-bas. Ils s'étonnent. Ils s'étonnent du fait que les médias, disent-ils, nous disent quelque chose d'autre à propos de l'islam. Et vous dites quelque chose qui est contraire à ce que l'on voit, on entend dans les médias. Les médias ont mis en exergue les actions de certains groupes terroristes, de quelques-uns de ces groupes, et a présenté l'islam comme une... les médias ont terni l'image de l'islam tant et si bien que même ceux qui habitent dans des coins reculés d'Afrique disent la même chose. Et ceux qui habitent en Amérique disent aussi la même chose. Ceux qui habitent dans les coins des îles, ceux qui habitent en Amérique du Sud, ceux qui habitent en Australie, ceux qui habitent en Europe, ceux qui habitent au Japon. Ainsi donc, aux yeux des non-musulmans, le fait qu'il n'y ait pas de paix, la cause de ce chaos, c'est l'islam, l'enseignement de l'islam et les musulmans, alors qu'en réalité, l'islam, les enseignements de l'islam nous présentent la paix véritable. Ce sont les enseignements de l'islam qui sont le garant de la paix, qui seront le garant de la paix du monde. Dans le terme islam, on trouve ce message de paix, ce message de sécurité. Et ainsi, l'islam, sans faire de distinction entre personnes, accorde ce message de paix, accorde la paix à tout un chacun, sans faire de distinction. Les enseignements de l'islam sont ces beaux enseignements qui mettent fin à toute forme de complexe d'infériorité, à toute forme de complexe, et dit que tous les êtres humains sont égaux. Les enseignements de l'islam a annoncé, le saint prophète paix soit sur lui a déclaré qu'un non-arabe n'a pas de supériorité sur un arabe, un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe, un blanc n'a pas de supériorité sur un noir, un noir n'a pas de supériorité sur un noir, un noir n'a pas de supériorité, un noir n'a pas de supériorité sur un blanc n'a pas de supériorité sur un noir, et tout le monde est égaux. Et le saint prophète a été envoyé comme source de miséricorde pour l'humanité tout entière. Il a été le garant de la paix de tout le monde. Celui qui a été envoyé comme source de miséricorde pour l'humanité, pour la création tout entière, comment cette personne peut, par ses enseignements, par ses actions, détruire la paix de la société? Et de plus, comment... De plus, l'islam fait croître, fait naître, présente ce Dieu qui est le Rabbul Alamin, qui est le maître de tous les mondes, celui qui a créé tout, celui qui est le Rab, le Seigneur de tous les croyants, de tous les hommes. Il est même le Rab,
il est celui qui pourvoit aux besoins même de ceux qui ne croient pas en lui. Et il leur accorde la paix. Le Dieu de l'islam est un Dieu qui déclare que les enseignements de base de toute religion, ce Dieu qui est présenté par toutes les religions, eh bien, c'est le même Dieu. Toutes les religions présentent le même Dieu, nous dit l'islam, qui déclare que c'est lui, Dieu déclare que c'est lui le pourvoyeur de toutes choses, c'est lui qui pourvoit aux besoins de tout le monde. Selon les... Vous donnez un nom différent à ces dieux, vos prophètes ont donné un nom différent à ce dieu, et d'aucuns croient à tort que il y a le dieu est différent dans chaque religion, et ils parlent de division. Cependant, l'islam annonce clairement qu'il n'a aucune raison de se disputer. Il n'y a aucune raison à s'entretuer au nom de la religion. Dieu est unique, nous dit l'islam. C'est le Dieu des juifs, c'est le Dieu des chrétiens, c'est le Dieu des hindous, c'est le Dieu des musulmans, c'est le Dieu des adeptes des autres religions. Il est le Rab de tout le monde. Ainsi donc, la création lui appartient et il est celui qui pourvoit aux besoins de la création. Ses faveurs sont générales. Étant donné que ses faveurs sont générales, étant donné que la création lui appartient, étant donné qu'il pourvoit aux besoins de tous, eh bien, il n'a aucune raison de fomenter le trouble au nom de la religion. Le Messie promis à l'islam, à notre époque, nous a fait comprendre cela. Le Messie promis à l'islam, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, il déclare que l'on fait germer la distinction lorsque on se croit supérieur à autrui, lorsque les religions, les nations croient que Dieu nous appartient à nous et à personne d'autre. Et lorsque ces nations disent que Dieu n'a aucune relation avec les autres nations, avec les autres religions. Cependant, l'islam, quand l'islam annonce que notre Dieu est le Rabbul Alamin, eh bien, l'islam attire notre attention vers ce fait, à savoir que, étant donné que notre Dieu est le même, il est celui qui pourvoit à nos besoins. Il est celui qui nous a créés tous. Eh bien, nous allons vivre en paix. Nous devons vivre en paix. Ainsi donc, le saint prof, le Messie promis, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, déclare dans un endroit, Dieu, dans le Saint-Coran, débute avec ce verset de la sourate Al-Fatiha, c'est-à-dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toutes les louanges appartiennent à Dieu, celui qui est le pourvoyeur de tout le monde. Il est celui qui est le Rab, le Seigneur de toute la création. Dans le terme Alam, le terme Alam concerne toutes les nations. Cela concerne toutes les nations, toutes les époques, tous les pays. Et par ce verset qui débute avec le Saint-Coran, eh bien ce verset rejette ces réalités, l'acclaration de ces gens qui disent que voilà, Dieu nous appartient et qui pensent que les autres nations ne sont pas à la création de Dieu. C'est comme si Dieu les avait créés pour ensuite les abandonner, ou que Dieu les a oubliés, ou que, na'udhu billah, ils n'ont pas été créés par Dieu. Ainsi, ceux qui entretiennent de telles pensées, à savoir que Dieu nous a créés et nous a fait supérieurs aux autres, et que, comme si Dieu n'a pas créé les autres, ou que Dieu les a créés pour ensuite les rejeter, eh bien, en réalité,
Ces gens, en raison de ce complexe de supériorité, sont en train de fomenter le trouble dans le monde et sont en train de détruire la paix du monde. Quelques jours auparavant, un ami proche du président américain a déclaré sur la télé, en grand jour, il a dit que nous, les Blancs, nous sommes supérieurs à toutes les races, à toutes les nations. Et nous avons ce droit, en tant que Blancs, de régner sur le monde et de traiter comme bon il nous semble l'humanité. Et il a déclaré que ceux qui sont les inférieurs sont les Africains. Il a déclaré qu'en raison de leur couleur, eh bien, ils n'ont pas les aptitudes mentales des Blancs. Ainsi donc, l'arrogance l'a poussé à tel point, l'a poussé à être effronté à tel point qu'il se met à la place de Dieu. Les gens qui ternissent l'image de l'islam, ils doivent se demander, une telle déclaration pourra-t-elle faire foisonner la paix? Cette déclaration est en fait le cri de leur cœur. C'est le cri du cœur des arrogants. Et en apparence, ils peuvent se dire les portes étendards de la paix, les portes étendards de la sécurité. En fait, ils tentent d'atteindre cet objectif, l'objectif qu'ils ont exprimé. Et ils sont en train de tenter, ils tentent en fait d'atteindre cet objectif. Le Messie promis, alayhi salam, explique le terme Alhamdulillahi Rabbil Alamin et il déclare que Dieu dans le Saint-Coran a commencé par ce verset Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et dans le Saint-Coran, Dieu déclare clairement que il ne faut pas croire qu'un prophète a été envoyé à un peuple spécifique. Dieu n'a pas oublié aucun peuple, aucune nation. Et dans le Saint-Coran, il y a d'innombrables exemples où il est dit que tout comme Dieu est le pourvoyeur de toutes les nations et qu'il pourvoit aux besoins physiques de toutes les nations, de même Dieu est en train de pourvoir aux besoins spirituels de toutes les nations et il a pourvu à leurs besoins spirituels. Tout comme il déclare dans le Saint-Coran « Wa'im » وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. Il n'est aucune nation parmi lesquelles n'est apparu un prophète, c'est-à-dire toutes les nations ont reçu un prophète. Ainsi donc, dit le Messie promis, le fondateur de la communauté, fut accepter sa parole sans discuter, à savoir que ce Dieu en qui nous devrons croire, c'est le Rabbul Alamin. Et sa Rabubiya, sa suzeraineté, n'est pas limitée à un peuple spécifique. Et n'est pas limitée à une période spécifique. Et n'est pas limitée à une période spécifique. Il est le maître de tout. Il est le Rab, le Seigneur de tous les endroits, de tous les lieux, de tous les pays, de toutes. C'est lui la source de toutes les faveurs. Et il est celui qui est la source de tout pouvoir physique et spirituel. C'est lui qui pourvoit aux besoins de toute création et c'est lui le soutien de tous. Le Messie promis, il a déclaré, les faveurs de Dieu sont générales et cela comprend tous les pays, toutes les nations, toutes les périodes. Il en fut ainsi afin qu'aucune nation n'ait l'occasion de présenter des doléances en disant que Dieu accordait des faveurs à certains peuples et pas à nous. Ou que telle nation a reçu un livre de sa part et nous n'avons pas reçu. Ou que Dieu a montré ses miracles à une période mais pas à notre période. Ainsi donc, il a accordé ses faveurs, il a rejeté toutes ses objections. Et il a fait montre de ses excellences tant et si bien que aucune nation n'a été privée de ses faveurs matérielles et spirituelles. Il n'a oublié aucune période. Ainsi ceux qui disent que les Blancs sont plus intelligents ou quoi, eh bien ceux-là sont en train de mentir.
Allah a accordé des aptitudes à toutes les nations et tout le monde profite de ses faveurs. En sus des gens de ce bas monde qui se considèrent supérieurs, en sus des autres religions. C'est l'islam plutôt d'entre toutes les religions qui évoque le fait qu'il n'y ait pas de distinction et que personne n'est supérieur à un autre. C'est l'islam qui annonce que Dieu a traité tout le monde à pied d'égalité, a traité tout le monde comme égaux et que Dieu a envoyé des prophètes chez tous les peuples et que Dieu a transmis un seul message et qu'il n'a fait de distinction entre personnes. Ainsi donc, les musulmans sont ceux d'entre tous que, en accord aux préceptes de l'islam, d'accepter les prophètes de toutes les religions. Il n'incombe pas aux adeptes des autres religions d'accepter les prophètes de tout le monde, mais c'est en islam, un musulman, d'accepter les prophètes de toutes les nations, de toutes les religions. Quand nous allons accepter les prophètes de toutes les religions, nous ne pourrons pas annoncer que votre prophète à vous est un imposteur ou que ses enseignements étaient infondés. Un musulman ne peut énoncer de tels propos, car en énonçant de tels propos, il est en train de démentir les propos du Saint-Coran. Ainsi donc, la tolérance religieuse, en ce qui concerne la tolérance religieuse, aucun autre enseignement ne peut se comparer à l'islam, aux enseignements de l'islam. Mais un chrétien, un juif ou un adepte d'une autre religion, quant à lui, il pourra attribuer des paroles inappropriées au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et énoncer de telles paroles à son égard. Mais un musulman, quant à lui, est contraint de dire que Jésus, Moïse et les fondateurs des autres religions, eh bien, il doit honorer leur nom. Les adeptes des autres religions, lorsqu'ils vont énoncer des propos déplacés sur le saint prophète, paix soit sur lui, lorsqu'ils diffament le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ternissent son honneur, eh bien, nous, en tant que musulmans, nous disons, quant à nous, alayhi salam, lorsque nous énonçons le nom d'un prophète, c'est-à-dire que la paix soit sur ce prophète, et nous honorons ces prophètes. Ainsi donc, l'islam est cette religion qui, dans toutes les religions, met l'accent sur la paix, et qui dit à ses adeptes qu'en toute situation, ils doivent jeter les bases de la réconciliation. Ainsi, afin de mettre fin aux différences religieuses, afin de faire foisonner la paix, Allah a déclaré et a dit aux musulmans que « Wala tasabbu alladhina yad'una min dunillah fa yasabbu Allah adwan bighayri ilm kadhalika زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُونَ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et n'insultez pas ce qu'ils attribuent à Allah, les idoles qu'ils attribuent à Allah, sinon dans leur animosité à votre rencontre, et bien dans leur ignorance aussi, ils vont insulter Allah. C'est ainsi que nous avons embelli aux yeux de chaque nation leurs œuvres. Et un jour, ils vont devoir retourner vers leur Seigneur et leur Seigneur va les informer à propos de ce qu'ils font. Ainsi donc, afin de mettre fin à ces complots, afin de faire foisonner la paix, il n'y a pas d'autre action plus importante, à savoir que ces gens qui
implorent ou adorent des idoles, ceux qui sont coupables de polythéisme. Et selon nous, selon Dieu, le polythéisme est un grand péché. Mais Dieu déclare ici, votre tâche à vous n'est pas de conspuer leurs idoles. Chacun a ses croyances religieuses. Chacun a ses sentiments religieux. Que ces sentiments, que ces croyances soient avérées ou pas, vous ne devrez pas vous départir de la sagesse et insulter leurs idoles. Et par ignorance, ils vont eux insulter Allah. Et cela va blesser vos sentiments. Et cela va attiser le feu de la haine. C'est pour cette raison que vous devez vous en préserver. Après votre décès, tout le monde va devoir se présenter à Dieu. Et là-bas, Dieu sera celui qui va juger entre les hommes, à savoir qui est le Seigneur véritable, qui est celui qui a pourvu à leurs besoins, qui est celui qui a pourvu aux besoins des uns et des autres, qui est le maître de la récompense et des punitions. Ainsi, voilà le principe d'or qui nous a été présenté, un principe qui fait disparaître les troubles. De même, il présente ses enseignements de paix et fait croître les excellences morales. Le Messie promis, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, explique cela en disant, il annonce que dans le Saint-Coran, Dieu nous enseignait la courtoisie tant et si bien qu'il est dit que لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. C'est-à-dire que vous ne devez pas insulter les prophètes car ils vont insulter Dieu car ils ne connaissent pas ce Dieu. Ainsi donc, en dépit du fait que selon les enseignements de Dieu, les idoles n'ont aucune réalité, mais Dieu enseigne cela aux musulmans, à savoir qu'il ne faut pas insulter les prophètes, qu'il faut les expliquer avec courtoisie. Attention qu'ils insultent Dieu en retour et que vous serez coupable de ces insultes proférées contre Dieu. Si un musulman ne met pas en pratique ses enseignements, eh bien, ce sera en raison de... Il sera fautif. Ce n'est pas la religion qui est fautive ici. Ce musulman qui, sans faire de distinction, ces personnes plutôt qui se moquent des enseignements de l'islam et qui critiquent l'islam sans rien savoir, eh bien, en fait, ce sont ces personnes qui sont en train de détruire la paix. Et ce ne sont pas les enseignements de l'islam qui sont en train de détruire la paix. Les enseignements de l'islam ne peuvent être accusés ici. Si un musulman commet une action condamnable, eh bien c'est une action personnelle qu'il a commise. C'est contraire aux enseignements de l'islam. Ici, en dépit de leur ignorance, les non-musulmans critiquent l'islam et que cela fomente les troubles, eh bien, ils sont responsables de leurs actes. Ainsi donc, il se trouve en l'islam nombre de ces exemples. L'islam ne nous enseigne pas la coercition, ne nous demande pas de faire foisonner les troubles. Au contraire, l'islam nous présente un message de paix. Et l'islam, d'entre toutes les religions, met plus d'accent sur la paix. Dans la sourate Yunus, Allah déclare « Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin » Et si ton Seigneur l'avait désiré, eh bien, tous ceux qui vivent sur terre se seraient réunis et auront cru. Est-ce que tu pourras contraindre les gens à croire?
Ainsi donc, si l'on désire contraindre l'humanité à croire et que si l'on va contraindre les gens qui n'acceptent pas ou qui ont des gens qui ne croient pas comme nous croyons, eh bien Allah déclare à leur sujet que tu ne pourras pas contraindre les gens à devenir musulmans, tu ne pourras pas les forcer à devenir musulmans. Allah déclare que s'ils le désiraient, et Allah a le pouvoir aussi de contraindre tout le monde à accepter l'islam. Mais Allah n'a pas désiré cela, car c'est la contrainte. Étant donné qu'Allah n'a point désiré la contrainte, eh bien, Allah aura dit au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que tu ne pourras pas contraindre l'humanité à accepter l'islam, à devenir musulman. Étant donné que Dieu n'a pas donné cette prérogative au saint prophète, eh bien, qui peut le faire? Les mollahs, les chers ou les terroristes disent que nous allons contraindre les gens à accepter l'islam. Cela est contraire aux enseignements de l'islam. Ensuite, Allah déclare وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Et annonce la vérité venue de la part de votre Seigneur, celui qui veut qu'il croie, celui qui ne veut pas qu'il rejette cette vérité. Ainsi donc, si notre maître, le saint prophète Mohammed, et soit celui, n'avait pas cette prérogative de forcer les gens à accepter l'islam, eh bien, ces prétendus oulémas, ces prétendus chefs religieux, ces érudits religieux et ces groupes, comment peuvent-ils contraindre les gens à accepter l'islam? Et comment peuvent-ils donc ternir le nom de l'islam? Si une personne commet une mauvaise action au nom de l'islam, eh bien c'est lui le coupable. Et nous pourrons condamner l'islam à cet égard. L'islam nous enseigne la paix, nous enseigne la réconciliation. L'islam est la religion qui prône la paix. Tout ce que je viens de présenter jusqu'à présent démentit les actions de ces non-musulmans qui disent que l'islam est une religion qui prône l'extrémisme, et cela dément aussi les déclarations de ces musulmans qui, au nom de l'islam, sont en train de commettre des actes terroristes et qui sont en train de détruire la paix du monde. Après avoir connu ces enseignements sublimes, si les musulmans commettent ces actions, des actions qui permettent aux non-musulmans de critiquer l'islam, si ces musulmans commettent ces actions, eh bien, c'est en raison que ces musulmans sont malchanceux, c'est un des plus malchanceux, mais ces prétendus oulémas, érudits, c'est en fait les actions, les résultats des actions de ces prétendus érudits. Et pour rétablir la situation, Dieu, selon sa promesse, a envoyé le Messie promis, alayhissalam. Le Messie promis, alayhissalam, qui à la lumière du Saint-Coran nous a présenté les véritables enseignements de l'islam. Et il nous les a montrés. Le Saint-Coran est le livre saint des musulmans. قرآن کریم کی تعلیم کی روشنی میں à la lumière des enseignements de l'islam, c'est à la lumière des enseignements de l'islam que l'on pourra donc présenter ces beaux enseignements, ces beaux préceptes. Et à notre époque, le Messie promis, le fondateur de la communauté Ahmadiyya, nous a montré cela à notre époque. Le Saint-Coran déclare à propos du statut de la Mecque, Man dakhalahu kana amina, c'est-à-dire celui qui entre à la Mecque sera en paix. Ici, amana a deux sens, c'est-à-dire celui qui y entre sera en paix et celui qui l'acceptera sera lui aussi en paix.
et il accordera aussi la paix à autrui. La première manifestation de ce verset, nous la voyons lorsque, après la conquête de la Mecque, le saint fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed, et soit celui, ont pardonné leurs ennemis mortels. Un chef Ansari, un chef de Médine, a déclaré qu'aujourd'hui nous allons nous venger des ennemis du saint prophète, les Quraychites, nous allons les humilier, ces ennemis. Abu Sufyan, un chef mécois, a entendu cela. Il s'est adressé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il s'est présenté à lui et il a dit que j'ai entendu cela de la bouche de quelqu'un de Médine, à savoir qu'aujourd'hui, en dépit du fait que nous vous avons persécuté, certes, eh bien, vous n'allez pas nous pardonner. Est-ce que vous n'allez pas nous pardonner? Le saint prophète a déclaré qu'en dépit de toutes vos persécutions, vous serez en paix, car cette ville est une ville de paix. La Kaaba est un lieu de paix. Et tout ce qu'a dit ce chef, eh bien, tout cela n'était pas avéré. À partir d'aujourd'hui, il ne sortira que la paix, la miséricorde, la compassion de cette ville. Et il a pris le drapeau de ce chef Ansari et l'a offert à un autre chef en raison de ses propos. Et il a montré quel était le statut de cette ville, le statut véritable de la ville de la Mecque. Cet enseignement de paix que prône l'islam, à savoir que, en ayant eu le dessus sur ses ennemis mortels, il faut les pardonner. Au lieu de les punir, il faudra les traiter avec compassion. Qui est celui qui, en ce monde, pourra montrer l'exemple de pareils enseignements? De même, dans le Saint-Coran, Allah nous dit à propos de la paix et de l'invitation vers la paix. Wallahu yad'u ila dar salam. Et Allah vous invite vers la maison de la paix. Allah a déclaré, venez et entrez dans la maison de la paix. Et il a aussi mentionné le nom de ceux qui y entrent. Il a dit que ce sont des musulmans, des muslims. C'est-à-dire, ce sont des gens qui répandent la paix, ce sont des gens qui établissent la paix. Si quelqu'un ne respecte pas l'honneur de cette parole, l'honneur de ce nom, eh bien, il en est coupable. Il est coupable. Et il est dit aussi que vous devez dire « Assalamu alaikum ». Vous devez vous envoyer la paix les uns sur les autres. Celui qui dira « Assalamu alaikum », celui qui envoie la paix, est-ce qu'il va prendre l'épée pour aller tuer les autres? Est-ce qu'il va détruire la paix? De même, dans le Saint-Coran, nous constatons que en ayant complété la prière, nous disons « Assalamu alaikum rahmatullah » à droite et à gauche. À savoir, j'ai terminé ma prière, j'ai terminé l'adoration de Dieu. Et je transmets la paix à droite et à gauche, devant moi et derrière moi. Ainsi donc, jamais l'islam va mettre fin à la paix. Jamais l'islam va mettre fin à la paix. Les enseignements de l'islam sont très beaux. Ce sont des enseignements qui, d'entre toutes les religions, prônent le plus la paix. Le Saint-Coran nous dit que ce haram, l'enceinte de la Kaaba, est la source de paix. Il est dit, Alalam irau anna
ولم يروا أن جعل خمرا آمنا ويتخطف الناس ويتخفت الناس من حولهم. منهم يتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. Ne voit-il pas que nous avons fait de cette enceinte un lieu sacré, alors que les gens tout autour sont tirés à droite et à gauche? Est-ce qu'ils vont croire dans le mensonge? Est-ce qu'ils vont rejeter les faveurs divines? Cette annonce est faite que le but de la Kaaba, c'est d'établir la paix. Et c'est là une grande responsabilité qui incombe aux musulmans, à savoir qu'ils devront toujours en faire un centre de paix. Allah y annonce ici que ceux qui ont des relations avec ce lieu seront en paix. Ils auront la paix véritable. C'est la paix qui émanera de ceux qui croient en Dieu l'unique et qui auront une relation sincère avec la maison de Dieu à la Mecque. Mais malheureusement, pour les musulmans, ces musulmans en particulier, ces musulmans, ces rois, ces souverains qui vivent dans ces pays musulmans, que en dépit de cette garantie, au lieu de se tourner vers Dieu l'unique, au lieu de tenter d'atteindre l'objectif de la Kaaba, l'objectif de la création de la Kaaba, au lieu de tenter d'atteindre cet objectif qui a été évoqué dans le Saint-Coran, au lieu d'établir la paix, eh bien ces souverains, ces rois, dans leur arrogance, sont en train de commettre des exactions. Ils sont en train de commettre ces actions en raison de leur argent. Ils considèrent les ennemis de Dieu comme leur source de puissance. Dieu déclare que les gens seront en paix en raison de leurs actions. S'ils étaient source de paix, il n'y aurait pas ces troubles dans le monde. Il y a le chaos, l'anxiété, tout simplement parce que, au lieu de croire en Dieu, ces gens se tournent vers ce bas monde. Ainsi donc, un homme de ce Dieu va oublier Dieu et va se pousser à la destruction. Mais les musulmans doivent se réveiller. Ils doivent se réveiller car Dieu a bâti cette maison pour l'unicité de Dieu. Il a bâti cette maison pour garantir son unicité. Et cette unicité qui avait disparu, et pour ce faire, Dieu avait envoyé le Messie promis, le serviteur du saint prophète, afin que les gens puissent comprendre ce statut véritable. Sinon, eux aussi, à l'instar des nations des alentours, elles seront poussées vers la destruction. Cette ville sera source de paix pour toujours. Cependant, les injustes et ceux qui se sont écartés de la spiritualité, ces souverains qui seront remplacés par des gens qui seront justes, des souverains qui seront justes, il ne pourra avoir de paix réelle sans la spiritualité. Ceux qui se disent les gardiens des lieux saints, eh bien, ils doivent chercher la spiritualité réelle afin qu'ils puissent établir la paix réelle. Et pour ce faire, ils vont devoir s'asservir aux mains du serviteur du saint prophète Mohammed. Il doit en être ainsi, afin que les non-musulmans puissent connaître les enseignements véritables de l'islam. Ensuite, dans le Saint-Coran, nous voyons des réponses que Dieu donne aux non-musulmans. Il dit وقالوا وقالوا إن نتبع الهدى معاك نتخطف من أرضنا ولهم قالوا كي غيرهم تيري همراه. Il déclare que si nous suivons ta voie, eh bien, nous serons chassés de nos terres. Ainsi donc, si l'islam préconise
la violence, l'exaction, eh bien, il n'aurait pas présenté de tels enseignements. Le saint prophète n'aurait pas donné pareille réponse. À savoir que nous serons chassés de nos maisons si nous acceptons toi. Ceux qui commettent des violences sont les autres. Ce ne sont pas eux des gens qui sont chassés de leur maison, de leur terre. Ce ne sont pas les musulmans qui commettent ces exactions. Ce sont les autres nations. Ce sont les autres chefs. Et on a peur de ces autres chefs. Et c'est en raison de... Et ensuite... Ils sont tous d'accord, même les non-musulmans, que les enseignements de l'islam sont des enseignements qui prônent la paix. C'est pour cette raison qu'ils disent que si nous allons nous joindre à toi, ou aux saints prophètes et aux musulmans, si nous allons accepter l'islam, eh bien, ils vont nous chasser de nos terres, ils vont nous chasser de nos maisons. Ainsi, cela prouve que les enseignements de l'islam aux yeux des non-musulmans étaient les enseignements de paix. Ces gens disent que, en s'adressant au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, que vous dites qu'il faut répondre à la paix, eh bien, si nous allons suivre la voie de la paix, disent ces non-musulmans, eh bien, les nations des alentours vont nous détruire. Aujourd'hui, dans le monde, il y a cette course vers l'armement. On est en train de bâtir, de construire des bombes nucléaires. Et on dit que voilà, ce sera une forme de dissuasion. Nous sommes en train de construire ces bombes comme un moyen de dissuasion. Eh bien, il y a environ 9 ou 10 pays qui possèdent l'arme nucléaire dans le monde. Et hormis le Pakistan, il n'y a pas... et un autre pays musulman qui en possède, et on ne sait même pas s'il en possède vraiment et quelles en est ses aptitudes. Les armes les plus destructrices seront les armes nucléaires pour la prochaine guerre. De même, les meilleures armes que l'on a en ce monde, les armes les plus sophistiquées, sont préparées dans les pays non musulmans. Si les pays musulmans en utilisent, eh bien, ils les utilisent en les achetant de ces pays non musulmans. Et si les groupes extrémistes les utilisent au nom de l'islam, ils les achètent de ces pays non musulmans. Et c'est pour cette raison qu'ils font ce commerce d'armes. En tout cas, voilà la situation d'aujourd'hui. Ceux qui disent que l'islam est une prône la violence, ces gens qui participent à cette course à l'armement, ceux qui essaient de dépasser les autres dans ce domaine, eh bien, c'est les personnes qui enfreignent les commandements de l'islam, ce sont ces personnes qui vainquent ces armes. Ceux qui crient le plus dans ces pays, qui disent que l'islam est une religion qui détruit la paix, eh bien, ce sont ces gens-là, en majorité, qui sont en train de détruire la paix et qui, pour ce faire, sont en train de vendre des armes. L'islam est une religion qui prône la paix. Et les gens des alentours disent que si nous acceptons l'islam, eh bien, nous serons tués. Les gens vont nous chasser. Parce que vous, en tant que musulmans, vous prônez la paix. Mais malheureusement, ceux-là même qui se disent musulmans aujourd'hui, ils sont en train d'acheter des armes de ceux qui, d'une part, sont en train de ternir le nom de l'islam. Et ainsi, ces musulmans sont en train de tuer des musulmans et des non-musulmans et sont en train de détruire la paix mondiale. Un non-musulman, quelques décennies de cela, avait écrit un ouvrage. Dans cet ouvrage, il a montré leur visage réel, le visage de ces personnes qui critiquent l'islam. Et il a dit que le saint prophète, paix soit sur lui, dans toutes ses batailles, il avait tué que quelques centaines de ses ennemis. Mais vous, dans une seule guerre, lors de la Deuxième Guerre mondiale, vous avez tué des centaines de milliers de personnes. Mais vous annoncez que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui et l'islam ont commis des exactions. Et que l'islam
est une religion de la violence. Ainsi, voilà la réponse réelle. La réponse que nous a présentée certaines tribus qui ont déclaré au Saint-Prophète que si nous acceptons l'islam, eh bien, les autres vont nous détruire. L'islam nous demande d'éviter toute forme de conflit. Et ces tribus ont dit au Saint-Prophète que si nous allons accepter ce que nous dit l'islam, si nous allons favoriser l'islam, eh bien nous serons la cible des exactions des injustes. Car les injustes ne cesseront de mener des guerres. Et nous en serons les cibles. Ainsi donc, nous allons nous joindre à vous. Et nous ne voulons pas détruire notre vie. C'est pour cette raison que nous allons vivre telle qu'elle. Le fait que nous nous joignons à vous signifie que nous serons la cible de ces exactions. Si nous étudions l'histoire, nous allons constater clairement que dans les pays arabes, il n'y avait pas de paix. C'est l'islam qui a mis fin à l'anarchie qui existait dans ces pays. Les réponses qui étaient données, eh bien, c'est une preuve que, en mettant en pratique les enseignements de l'islam, nous allons nous mettre en difficulté. Car ces gens-là croyaient cela parce qu'ils ne voyaient pas les faveurs de Dieu. Ils ne voyaient que ce qui était en apparence. Ils disaient que en une telle société, en acceptant l'islam, étant donné que ces troubles règnent, le chaos règne, eh bien nous allons nous inviter à la mort. Mais après la conquête de la Mecque, lorsque l'islam s'est répandu, mais même avant la conquête de la Mecque, lorsque ces tribus ont compris que les gens de la Mecque ont fait un pacte et que les enseignements de l'islam sont beaux et qu'il s'y trouve des faveurs matérielles et spirituelles, certains ont aussi vu des signes, et bien ils ont accepté l'islam. Personne ne les a contraints. Tant qu'ils regardaient vers le monde, ils ont rejeté cet enseignement. S'il était question de contrainte, eh bien, le Saint-Coran a consolé le Saint-Prophète, paix soit sur lui, en disant وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَوْلِي قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ فَاسْفَحْ أَنْفُمْ وَقُلْ سَلَامٍ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. Et ce prophète rappelle-toi de ce qu'a dit ce prophète qui avait dit: oh mon Seigneur, ces gens ne vont pas croire, ils ne m'écoutent pas. Allah a déclaré que pardonne-leur et annonce salam, que la paix soit sur toi, bientôt ils seront. Dieu a déclaré que l'enseignement que je vous ai apporté, c'est un enseignement en deux paix. Et ces gens ne comprennent pas cet enseignement et ne croient pas en cela. Ils participent dans des batailles. Pendant 13 ans, le Saint-Prophète a été persécuté à la Mecque. Par la suite, des armées ont été envoyées à Médine. Le Saint-Prophète a déclaré que j'ai apporté ce message de paix, mais ils ne m'accordent pas cette paix. Ces gens-là, au contraire, sont en train de commettre des exactions. Allah n'a pas déclaré qu'il faudra immédiatement les traiter ainsi, se battre contre eux. Il a déclaré Fasfah anhum, pardonne-leur. Pardonne-leur parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de tes enseignements. C'est pour cette raison qu'ils commettent des telles actions. C'est pour cette raison qu'ils ont un tel comportement. Annonce, en voyant leurs actions, que, en dépit de vos actions, je vous envoie le message de paix. Je vous enverrai le message de paix, car je suis celui qui apporte pour vous la paix. Bientôt, le monde saura que le Saint-Prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam,
était source de paix pour l'humanité tout entière. Ainsi donc, après quelque temps, le monde arabe a constaté cela. Ainsi, ce n'était pas un message de paix uniquement pour ceux qui avaient accepté l'islam, mais c'était aussi un message de paix pour ceux qui ne l'avaient pas accepté. Ensuite, les néo-musulmans disent que, certes, c'était un message de paix, mais bien pourquoi y a-t-il eu des temps de guerre en islam? La réponse était que lorsqu'on a voulu détruire l'islam, lorsque les mécréants se sont attaqués à Médine, le centre des musulmans, Allah a déclaré « Uzina lilladina yuqataluna bi annahum zulimu ». C'est-à-dire, ceux contre qui on mène des guerres, eh bien, ils auront le droit de mener des guerres. Car ils ont été traités avec injustice, tout simplement parce qu'ils disent « Allah est notre Rab ». Ils ont été chassés de leur maison. Et dans le verset suivant, Allah a déclaré que si on ne répondait pas par la force à leur méchanceté, eh bien, ces forces anti-religieuses allaient dépasser les limites. Et il n'y aurait plus d'église, il n'y aura plus de synagogue, il n'y aura pas d'autres lieux de culte, et il n'y aura pas non plus de mosquée, ils allaient tout détruire. Ainsi, si vous avez eu la permission de mener de guerre, c'est pour rétablir la paix. Le terme « djihad » ne signifie pas commettre des exactions. Nous sommes chanceux, nous les Ahmadis, du fait que le Messie premier, les Salam, nous a guidés à chaque pas. En expliquant ce sujet, en commentant sur ces versets du Saint-Coran, le Messie premier, les Salam, déclare « L'islam n'a pas demandé aux musulmans de prendre les hommes en premier. L'islam a dit qu'il faut. L'islam a demandé de prendre les hommes tout simplement pour rétablir la paix. L'islam a interdit le meurtre des femmes, des enfants et des moines. Ceux qui ont pris les hommes en premier seront tués par l'épée. Et en premier, dit le Messie promis, c'est la Torah qui préconise en fait la guerre. Il est dit que et nombre de femmes et d'enfants ont été tués à la lumière de ces enseignements. Ce Dieu au nom de qui la guerre n'était pas condamnable, mais qui était en accord à ses préceptes, eh bien, ce sera une grande injustice que ce même Dieu soit en colère contre les actions de ces musulmans et serait en colère à l'égard des actions du Saint-Prophète, paix soit sur lui. Si Dieu n'avait pas permis à certains de se défendre contre d'autres, on aurait détruit les lieux de culte et ceux qui vivaient reclus seront tués. Les églises seront détruites. Les synagogues des juifs auraient été détruites. Et les mosquées des musulmans où le nom d'Allah est souvent rappelé, eh bien, ils auraient été détruits. Ici, Dieu nous explique que c'est moi qui ai le soutien de tous ces lieux de culte. Il incombe aux musulmans, à titre d'exemple, que s'ils veulent faire mainmise sur un pays chrétien, ne doit pas toucher leurs églises. Ils ne doivent pas détruire leurs églises, leurs cathédrales. Voilà ce que nous apprend des hadiths. Grâce aux hadiths, l'on comprend que lorsqu'un général recevait des ordres, il lui était dit qu'il ne devrait pas toucher les lieux de culte, il ne devrait pas toucher les monastères. Cela démontre clairement à quel point l'islam est loin de toute forme de préjugés. L'islam était le soutien des églises ainsi que des synagogues, tout comme il est le soutien des mosquées. Le fondateur de l'islam n'a pas voulu que, grâce aux attaques des ennemis,
de détruire les ennemis. L'islam a permis tout simplement une guerre défensive et a permis de se défendre. कहीं साबित नहीं होता कि इस्लाम अमन बर्बाद करने ainsi on ne trouve nulle part ailleurs que l'islam est une religion qui veut détruire la paix ou détruire les lieux de culte des autres religions. Ceux qui agissent ainsi, à l'instar de ceux qui ont détruit des lieux de culte en église, en Irak, en Syrie et ailleurs, ceux qui sont en train de brûler des églises, tout cela sont en train d'agir contre les enseignements de l'islam. Ces gens mériteront l'enfer, selon Dieu. Il y a une autre action qui détruit la paix. Il est dit que vous allez devoir combattre tout mal. Allah déclare dans le Saint-Coran « Wal fitnatu ashaddu min al-qatl » la fomenter des troubles est plus grave que le meurtre. On condamne les meurtriers, mais le Saint-Coran déclare que certes le meurtre est plus gras et grave, mais semer les troubles dans le pays est encore plus grave. Tout simplement parce que par ce faire, des milliers de vies seront en danger. Dans certains cas, dans certains lieux, en raison de ces troubles, des centaines, des milliers de vies sont perdues. Ces gens forment des troubles et tuent autrui. Ainsi donc, l'islam nous dit qu'il faudra punir ceux qui forment des troubles. Ceux qui forment des troubles détruisent la paix de la maison, détruisent aussi la paix des nations. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des chaos politiques et c'est une fitna qui fait que un pays tente de préparer des faux rapports contre un autre pays ou pour atteindre l'objectif est en train d'appâter certains chefs et qui est en train de faire un tel lobbying. Il y a un tel lobbying que l'on mène des campagnes contre certains pays. Tant qu'ils ne réduisent pas un pays en cendres, en ruines, ils ne sont pas satisfaits. Le Saint-Coran déclare que ceux qui sont en train de détruire d'autres nations, ceux qui sont en train de détruire la paix au nom de la paix, en fait, ce sont eux les meurtriers. Et ceux-là doivent être condamnés à mort. Ce sont des gens qui doivent être punis, ceux qui fomentent ces troubles. Mais ces gens d'influence, ces gens puissants, qui aura le courage de les punir? Mais l'islam déclare qu'il faudra les punir. Ensuite, l'islam nous enseigne, tout comme le saint prophète a déclaré, que le musulman est celui qui ne nuit à personne, ni par sa langue, ni par ses mains. Il est dit ailleurs que un musulman est celui qui protège les autres. Ainsi donc, un musulman est un garant de la paix, selon les enseignements de l'islam. Et c'est l'islam qui donne cette garantie de paix. Les gens de ce bas monde ont vu tous les systèmes qui sont en place, ils ont vu les lois qui ont été mises en place, mais en dépit du chaos, ils ne peuvent appliquer leur loi. Mais les enseignements de l'islam, tant que les enseignements de l'islam étaient présentés, tant qu'on ne va pas présenter les enseignements de l'islam dans leur état originel, ils ne pourront pas réfléchir. Et quand
c'est en mettant en pratique les enseignements de l'islam que l'on pourra établir la paix. Mais étant donné que les musulmans malheureusement ont oublié ces enseignements, eh bien, c'est pour cette raison que les plus grands oppresseurs sont devenus de parmi les musulmans. Il y a des enseignements détaillés à propos de l'islam. J'ai mentionné que quelques préceptes ici. Ici, lors de la Jalsa, il y a nombre de journalistes qui sont présents, il y a aussi des non-musulmans. Il y a des gens qui me posent des questions aussi lors des rencontres. Eh bien, dans la mesure du possible, j'ai répondu à ces personnes. Ou on a répondu à ces personnes dans la mesure du possible. Les troubles, les chaos ne cessent de prendre de leur peur dans le monde. C'est pour cette raison que je me suis dit qu'il était essentiel de dire quelque chose à ce propos aujourd'hui. Il se peut que ces gens pourront informer autrui. Les enseignements de l'islam sont des enseignements qui nous enseignent la paix. Et c'est cet enseignement qui pourra établir la paix entre les nations. C'est cet enseignement qui préconise la paix entre les nations. Et ce sont ces enseignements qui font foisonner la paix entre toutes les nations. Si on ne comprend pas ces préceptes, si dans son ignorance on accuse ces enseignements, et si on essaye de les faire sortir de ce cercle de l'islam véritable, eh bien on devra leur dire qu'ils doivent corriger leurs actions, ces personnes qui commettent ces exactions, et doivent se débarrasser de leurs préjugés. Ils doivent y faire pénétrer la lumière véritable qui va les rapprocher de Dieu. Aujourd'hui, le monde est en train de courir à sa destruction. Et pour améliorer la situation, pour nous protéger de la destruction, il y a une seule voie, à savoir que l'on doit reconnaître son Seigneur. Son Seigneur qui nous va protéger, notre Seigneur qui va nous protéger et qui va nous faire vivre en paix. Vous pouvez éprouver toutes les situations, tous les systèmes au monde. Il n'y a aucun engagement, aucune loi qui pourra protéger le monde de la destruction. Aucun plan qui pourra le protéger à présent. Ainsi, je m'adresse aux gens de ce monde. Vous qui cherchez la paix, eh bien, au lieu de critiquer les préceptes de l'islam, venez et écoutez la parole du Messie promis, le serviteur du saint prophète qui nous a enseigné comment nous protéger de la colère divine. Lui qui déclare « Ô Europe, tu n'es pas en paix. Ô Asie, toi aussi tu n'es pas en paix. Ô vous les habitants des îles, aucun faux dieu ne vous viendra en aide. Je vois des villes en ruine, des maisons en ruine, dit le Messie promis. Avant que vienne ce moment, eh bien, reconnaissons notre Dieu unique. » Ensuite, le fondateur de la communauté Ahmadiyya a déclaré que ce jour est proche lorsque le soleil de la vérité va se lever de l'ouest et l'Europe connaîtra le Dieu véritable. Et par la suite, la porte du repentir sera fermée parce que les gens ils vont y entrer avec force et il ne restera que ceux qui vont fermer la porte en raison de la nature. Ce sont des gens qui aiment les ténèbres et non la lumière. Eh bien, il est proche, eh bien, il y aura des complots, il y aura des complots contre l'islam, mais l'islam va réduire à néant tous les complots de l'antéchrist. Il y aura ces enseignements qui vont se répandre, il n'y aura plus de rédemption, il n'y aura plus de faux dieux, et Dieu va réduire à néant toutes choses. Mais pas par l'épée, pas par les armes, mais en raison du fait que l'on accorde la lumière, à la lumière véritable. Et c'est là ce que j'ai dit sera compris. Qu'Allah fasse que nous soyons sincères, que nous puissions comprendre cette unicité divine, que nous soyons les véritables adorateurs de Dieu, et que nous puissions attirer la grâce divine, et que nous puissions informer le monde que si le monde souhaite le salut,
eh bien, doit reconnaître Dieu l'unique. Qu'Allah nous en accorde la possibilité à nous tous. Nous allons prier dans vos prières. Priez pour les Ahmadis du Pakistan qui sont en difficulté. Priez pour les Ahmadis de l'Algérie aussi. Et priez aussi en général pour le monde musulman qui, en raison de l'ignorance, est en train de s'attirer la colère divine. Priez aussi pour le monde dont la situation empire. Priez pour le monde en général. Qu'Allah nous accorde sa grâce et que nous puissions assumer nos responsabilités. Nous allons à présent prier. Concernant la présence cette année-ci, il y a eu cette année-ci 37 393 et il y a eu des représentants de 114 pays. En tout, il y a eu lors de la Diocese Solana 37 393 personnes issues de 114 pays. Oh!
Sikh Group, Jamia Ahmadiyya, UK. Yeah.
of God is our breeze. In word and deed we breathe, hatred for none is plain as the sun. We follow Muhammad, the favored one. See.
Jagore Naujawan, Jagore Naujawan, Jagore Naujawan, Jagore Naujawan, Jagore Naujawan, Jhela Phodote Ashi Ache Dak Jagore Naujawan, Jagore Naujawan, Jhela Phodote Ashi Ache Dak Jagore Naujawan, Jagore Naujawan, Tomader Hate Ashibe Bijoy. Hey, dard-e-dil.
just been watching the final parts of this live transmission of the 51st annual convention of the Ahmadiyya Muslim community, and you are now witnessing so many people meeting each other with smiles and hugging each other, congratulating each other on the successful conclusion of this very special annual convention, which has been broadcast throughout the world, and you are joining us through this special broadcast to the African continent. Hazrat Amirul Mu'mineen, Ayyadahullahu Ta'ala bin Nasrahil Aziz, has left the main marquee for men's, and people are now preparing to make their way through to their own homes. It's a very special moment where people from around the globe have sat together for 3 days and have witnessed the signs of Allah the Almighty, and now they'll be going to spread that message like doves. They'll be spreading that message around the world in their own words, in their own tones, and telling the people that they know what they have witnessed here. Jam Sahib, what will you be conveying back to Gambia? The special messages that Hazur obviously delivered here, and all the speeches about how we can, you know, unite as a people, as a world, you know, to prevent the atrocities that are facing the world. For example, Hazur talked about many important things here in the Jalsa Salana. I think that's the main, you know, this is the main purpose of Jalsa Salana. We come here from different parts of the world, listen to the beautiful advice, the beautiful, you know, guidance given to us by Hazur, and go back home, you know, though through MTA, Alhamdulillah, this has been broadcast. But when we go, personal experiences that we tell people is also different. And I think it's very important for such type of events to happen, whereby religious leaders will come out, tell the general people what they should do, you know, what Islam really is, which is love. Hazur said, the Holy Prophet is the embodiment of love. So when we follow that, you know, we will take the world to gain peace. We will take the world, you know, to higher heights, whereby everybody can live in harmony and in peace. The Jalsa is effectively like a spiritual recharge of our batteries. Definitely, exactly. We come here, the international bed, you know, this.